continue encore de courir. Je te jure, je te tire dessus. Allez. Allez, mine-toi, les mains sur la tête. Je t'emmerde. Fais pas ça, je te dis. Mets tes mains sur la tête. Sagement. Non, fais pas ça, arrête! Alors? Elle est là. Elle est en train de courir, elle va pas tarder. Bon. T'es sûr ce que tu veux faire? Ouais. Si elle est armée? Moi aussi, je le suis, t'inquiète pas. Je la sens pas, cette affaire-là. C'est une tueuse de flic, putain. Si tu te sens pas, t'es pas obligé de le faire. Je vais le faire toute seule. Je le sens pas, je te dis. En plus, on va pas demander, on a que dalle contre elle. Donc si c'est pour la coincer pour un crime commis en Espagne, t'es complètement barge. En plus, elle va pas se laisser faire. On a une étarasse de haut calibre dans le secteur. Tu m'as déjà. Tu l'as sorti où? Allez, à genoux, les mains sur la tête, tu connais le refrain. Pourquoi vous m'arrêtez? À ton avis. Pour racolage. Pour meurtre, grosse pute. Allez, mine-toi. J'ai tué personne? Peut-être pas en France, mais la traînée de sang que tu laisses depuis l'Espagne ne mérite pas que je te laisse libre. Allez. Mène-toi. Allez, mène-toi. Mène-toi. Il a été plus qu'un ami, tu comprends ça? Je vais pas supporter que cette pute se trimballe et vagabonde à son aise. Je peux pas. Mais tu vas faire quoi? Tu vas la trouver? Non, je vais la coffrer. De toute façon, elle est déjà fichée à Interpol. Après, je la ferai défaire en Espagne et là, ils vont s'occuper de son cul. Maintenant, soit tu viens avec moi, soit tu dégages parce que tu commences à me faire chier. T'es complètement barre, j'y arrive. Ils ont doublé ton dossier à l'asile le jour où ils t'ont donné ta plaque. Tu vas faire quoi? Tu vas l'interpeller comme ça? Merde. Tu me fais chier, Irène. Tu m'emmerdes, Irène, ça va chier. Alors, on sait lire? De ça, ça. Que va vous cette chambre de visite? Louis a déserté le bureau. Je pensais le trouver là, avec toi. Bah non. Je crois qu'il avait rendez-vous avec une jeune juge d'instruction, la petite voile de Nancy. Tu sais que je suis en train de monter une nouvelle équipe? Je pense sérieusement à toi. Ah ouais? J'ai besoin de bons éléments pour combattre le terrain. Navré, quelle heure? Je suis déjà affectée. Mais pas affectée. On peut peut-être discuter de ça tranquillement. Autour d'un verre. Pourquoi pas? Puis arrête de me faire la lèche comme ça. Si tu continues, tu pourras plus rentrer ta langue dans la bouche. Tu bosses sur quoi en ce moment? Cassandra Lopez. Tu comptes t'installer là? Je me casse hein, si tu veux. La bonne compagnie, je crache pas dessus. Et sur Lopez, t'as quoi? 100 mecs en garde à vue. Il est sorti avec une réfugiée et il est persuadé qu'ils vont trouver des jours heureux. Quand il sortira d'ici, il oublie que sa nouvelle petite amie a déposé une bombe de près de 5 kilos devant une caserne à Madrid. T'en as pas marre de traquer ces pauvres Espagnols? T'as raison, Irène. Retourne à te torcher les gueules sur les crânes de CDRB.
Laisse faire la travailleuse qui sait. Pardon, bon, mais toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. En parlant de valeurs et de réfugiés, t'as bien connu Miguel Artenza, ce fils de la gardienne, qui était venu faire un stage dans nos chambres de locaux. Ouais, un peu. Il est mort il y a 8 mois, d'une balle dans la tête, à Pamplona. Ouais. Et tu as très bien connu. Ouais. On a baisé ensemble. Est-ce qu'il n'y aura pas avec toi? Alors quoi? Julia. La pute qui l'a fumée. Elle est ici. Rien. Mais comment tu sais ça, toi? C'est mon job. Putain, pourquoi tu me dis ça? Parce que ça pourrait peut-être t'intéresser. Et elle est où?